98 personnes ont péri dans une attaque menée samedi contre un hôtel de la capitale somalienne Mogadiscio. La police a également annoncé que plus d'une trentaine de personnes avaient été blessées. L'attaque a débuté lorsqu'un kamikaze à bord d'une voiture bourrée d'explosifs s'est fait exploser devant les portes de l'hôtel Nassa Hablod. Des politiciens et des membres de l'élite de Mogadiscio ont l'habitude de séjourner dans cet hôtel. Suite à l'explosion, des terroristes armés ont pénétré dans le bâtiment et échangé des coups de feu avec les forces de sécurité. Les sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants qui pourraient être coincés sous les décombres. Le groupe extrémiste Al-Shabaab a revendiqué cette attaque. L'explosion a eu lieu 2 semaines seulement après que plus de 350 personnes ont été tuées dans une énorme explosion au camion piégé, la pire attaque qu'a connue le pays.